Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec Fofana. Aujourd'hui, la finale de la eSport Super Cup face à l'Inter. On va enfin pouvoir voir un petit peu ce que donne la Juventus quand même face à des clubs un peu plus relevés. Ensuite, on aura également un huitième de finale de Coupe d'Italie. On aura également un petit match de championnat entre les deux. Et dans le prochain épisode, on affrontera Nazario Junior, puisque Nazario Junior existe aussi dans ma carrière avec Fofana, avec Venise. Et on affrontera le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça sera dans le prochain épisode. Si on peut éliminer le Bayern dès le début, ça sera pas mal. Mais déjà, ça va pas être facile, je pense. Donc on verra. Petit changement de coupe pour Fofana. On les a toujours un petit peu longs. On les a attachés. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule à passer par rapport à ça, parce qu'il aurait pu être beaucoup plus stylé si on avait les coupes du mode Volta. Pourquoi ils ne mettent pas les coupes du mode Volta dans le mode carrière et les coupes du mode carrière dans le mode Volta? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, pourquoi on a des coupes de femmes en carrière joueur alors qu'on ne peut pas incarner de femmes? Ça aussi, il faut qu'on m'explique. Donc, c'est un petit peu débile. Je vous montre du coup la coupe que j'aurais bien voulu avoir dans le mode carrière, qui est du coup dans le mode Volta. Donc, voici la coupe que j'aurais voulu qu'ils mettent dans le mode carrière. Non, mais regardez ça. Mais regardez-moi ce flow. Et tu sais pas pourquoi ils te mettent ça dans le mode Volta, mais pas dans le mode carrière. Donc, voilà un petit peu pour la parenthèse au niveau de la coupe. On est parti face à l'Inter. L'Inter qui nous avait fait une offre. On va jouer face à notre frère. Donc, le duel des deux frérots qui va remporter cette eSport Cup, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça ne sera pas mon frère, évidemment. Et du coup, on est parti. Allez, let's go, on est parti avec cette nouvelle coupe. Donc on va voir ce que ça va donner face à l'Inter. Déjà, si sur les dégagements on est un petit peu en galère, ça va pas trop le faire. Ok. Bon, c'était super fort, mais ça passe au-dessus. C'est magnifique. Contre de la poitrine. Dommage, on n'a pas pu se l'emmener. Martinez, ça fait partie des joueurs les plus dangereux, je trouve, sur FIFA. Vraiment, en tant qu'attaquant, Martinez, il est vraiment incroyable. Là par contre, ouais, malheureusement, on a voulu. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Oh, dommage. Peut-être, allez. Ok. Ah, ouais, mais l'Inter, ils ont un gardien qui est super chaud. Bien joué, bien frappé. Est-ce qu'on pourrait pas faire une spéciale Lorenzo Nazario? On marque que des buts incroyables à la Juve depuis qu'on est arrivé à la Juve. La dernière fois, on a planté une belle frappe avec la barre qui a planté le ballon dans le gazon. Dans l'épisode où on signe à la Juve, on a planté un ballon comme ça là. Ça a tapé la barre et le ballon s'est planté dans le gazon. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent de notre arrivée d'ailleurs à la Juventus, parce que vraiment on est arrivé, on a tout cassé quoi. Vraiment on pouvait pas mieux rêver comme premier match. Allez, hein, pour encaisser le deuxième juste après avoir marqué, s'il vous plaît. Ok, ça va être un beau duel de gardien aussi là. Hein. On arrive à bien se trouver sur les longs ballons. Le ballon circule bien dans le camp adverse. Moussiala et le plongeon. On va vivre ensemble sur nos antennes. Ça sera de la. En plus, Wesley Fofana, ils défendent sur moi. Hein. Ce sera l'occasion de. Le duel de frérot, regardez-le. Il est là, le duel de frère. Et dans un contexte compétitif très exigeant. Il est là. Ah, il repique pas le pied vers l'intérieur. J'attendais le power shot. Et j'ai toujours pas mis les noms des joueurs au-dessus de la tête. Je l'avais dit dans la carrière avec Fares et j'ai toujours pas fait. Voilà, le changement de rythme. Je vais vous remettre ça. Là.
Là, derrière, hop. Putain, il y a toujours un défenseur, bordel. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, le mode ultra offensif, là. Attention, dans ces dernières minutes. Alvarez. C'est pour Çalhanoğlu. Ballon perdu par l'Inter. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Redonne. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Ah, ça part très bien. Oh là 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 là, let's go. Non, pourquoi ils ont passé la cinématique? J'ai dribblé le frérot. J'ai dribblé mon frérot dans la surface. Il n'a rien compris. Et bah voilà, on va remporter ce trophée dans les dernières minutes. Let's go. On est passé entre... Oh là 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 là. Allez, premier trophée sous le maillot de la Juve. Ça y est, on redore un petit peu le blason déjà de la Juve. Regardez, on va aller... Regardez. Hop, la petite tape, regardez avec le frérot. Numéro 25, c'est Fofana. Bon, la caméra est buggée là. Normalement, elle reste pas bloquée comme ça. Du coup, ça permet de voir un peu toutes les cinématiques. Et ben voilà. Voilà. La belle coupe. Avec la petite écharpe aux couleurs de la Juve autour. On entend les supporters du PSG en fond. Et ben voilà, premier trophée. On commence bien cet épisode. Voilà la petite photo. Et le trophée, il est énorme. Je sais pas si c'est moi, mais il a l'air d'être quand même énorme le trophée. Champion eSport Super Cup. On continue, match de championnat. Alors, petit point classement quand même, juste avant. Oula, on est un peu fatigué. On est troisième, donc on va essayer d'aller chercher au moins le Milan AC. C'est vrai que l'Inter, ça va être compliqué. Voilà, on va essayer. Alors, on a toujours zéro défaite en championnat, hein, il me semble. D'ailleurs, il y a eu la mise à jour ce 22 mars qui avait ajouté les clubs du championnat américain féminin. Donc toutes les équipes féminines américaines sont disponibles maintenant sur FIFA. Donc c'est plutôt cool parce que le football féminin là-bas aux États-Unis est beaucoup plus big, on va dire, que chez nous. Du moins, en tout cas en France, c'est vraiment l'Olympique Lyonnais qui est le club avec le plus de palmarès, hein, avec pas mal de Coupes d'Europe jouées, de gagner. D'ailleurs, vous pouvez également jouer la Women's Champions League dans le mode coup d'envoi. Mais il y a également l'équipe féminine de la Juventus qui a été ajoutée également. Alors, vous n'avez pas l'équipe du championnat italien parce que, tout simplement, il n'y a sûrement pas les droits. Mais c'est surtout que le championnat italien vient de passer récemment professionnel. Donc, c'était pas encore championnat. Oh, dommage. D'ailleurs, c'était pas un championnat professionnel en Serie A. Il y a beaucoup d'endroits encore où... meilleur bilan à domicile, zéro défaite. Donc vous avez la Juve en équipe féminine. Deux clubs allemands, Francfort il me semble, et Wolfsburg il me semble. Et du coup vous avez les championnats des États-Unis avec une équipe d'ailleurs qui a un très très beau maillot. Et vous avez une équipe qui s'appelle également OL Reig, je ne sais pas comment ça se prononce. Bien joué ça. Bien joué ça. Et qui est du coup une équipe qui a fusionné avec l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'ils ont fusionné avec un club américain et un club mexicain. Donc vraiment l'Olympique Lyonnais en France est vraiment assez présent. Voilà, 1-0. 7ème minute, c'est parfait. Alors est-ce qu'on va pouvoir tenter la remontada sur l'Inter, je ne sais pas. Mais va falloir voir... comment ça va se passer par la suite. Attention, c'est bien donné. Et l'égalisation dès la 11e minute. J'aime beaucoup leur... Alors, j'aime pas la couleur du maillot, mais vous voyez la texture. Vous voyez, il y a des espèces de petits traits dessus. Sur FIFA, ça se voit vraiment bien pour le coup. La texture se voit vraiment bien sur le maillot. Attention, hein. Attention. Oh là là. Oh là 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 là, on s'est fait prendre en contre. Voilà, on laisse un peu trop d'espace hein, pour le coup.
On laisse un petit peu trop d'espace, mais en plus ils jouent à 3 derrière, donc il faut qu'on en profite sur les contres. Mais dès qu'on défend, ils arrivent à de nouveau à récupérer le ballon. Oh là 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 là. Et moi je suis un peu loin. Et oui, je vais faire une grosse faute d'ailleurs. Hop, on va leur laisser le ballon, parce que sinon ça donne un coup franc dangereux. Il y a un contre à jouer maintenant. Bien joué ça. Fernand Mendy à la réception. Oh, ça défend bien. Oh, ça défend bien. Et puis le gardien, il est bon aussi. Spécial Lorenzo Nazario ou pas? Ou power shot? Ouh! Bon, c'est un peu sur le gardien. Mais il a des bons réflexes, le gardien. Allez. Ok. Face à face avec le gardien. Oh ouais, non mais moi je la joue beaucoup trop facile, ça met bon tir mais je suis pas sûr. Oh là là, le gardien il est pas mauvais hein. On laisse trop jouer, on laisse vraiment trop jouer là. Ok, oh putain par contre moi je suis pas... Ok. Oui, c'est récupéré ça. Ok. Depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Ouais, c'est un peu... C'est pas fou. C'est pas fou. Espérons que ces chiffres ne lui feront pas tourner la tête. Le plus important, je vous coupe, mais c'est chaud là. Oh, le but de la Juventus. Et ben voilà. On revoit ça, c'est pas mal ça. Passe rapide pour déstabiliser la défense. Bien joué. C'est ça. Oh là là, oh là là. Ok, bon, ça joue un peu trop solo des deux côtés. Il bambino Christian De Frassine si è perso. I genitori sono pregati di recarsi il prima possibile al posto di polizia dello stadio. Ripeto, il bambino Christian De Frassine. Attention, ce tir. Oui, je savais que je pouvais en mettre une. À chaque fois, c'était pas trop loin. Personne ne l'a imaginé. Let's go. Je comprends mieux pourquoi avec Lorenzo Nazario on faisait la spéciale assez souvent. J'ai l'impression vraiment que c'est typique du championnat italien, c'est qu'on nous laisse tout le temps beaucoup de place. Et là cette fois je l'ai bien dosé. Ah je savais, hein, on était pas loin à chaque fois. Oh, le gardien il est pas loin, par contre il est magnifique. On aura vu 5 buts dans ce match. Est-ce que je force ou pas? Non. Ah je voulais repartir dans son dos. C'est bien défendu. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Non, 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 non. Par contre, ne me dis pas qu'ils vont avoir une occasion. Oh, non. La parade. Oh, le but dans les dernières secondes. Ce but de l'égalisation. Mais quelle fin de match. En vrai, au vu du tournant du match, c'est mérité. Franchement, c'est mérité le point pour les deux. Mais en vrai de vrai, c'est mérité de ouf. Ils ont été bons, hein. Ils ont été très très bons. Putain, je suis dégoûté. À moins que peut-être, non. Ah, ça a été un beau match. Hein. On prend un moins 25 dans la gueule, quoi. On prend un moins 25, c'est terrible. Hein. Heureusement qu'on a les entraînements quand même. Ah bah non, on va pas les avoir. J'ai pas focus sur les objectifs, il va falloir que je me focus. Du coup, on est sur le banc pour les 8e de finale de Coupe d'Italie. On a merdé. Ouf. 1-0 au Campos qui marque. Au Campos. Et je suis passé. Ils me font jouer défenseur gauche. En plus, c'est au Campos qui me remplace. Ils ont fait jouer Memphis. Ok, bon, bah, il y a 1-0. Okay. On va voir quand même les objectifs. Là, on va faire attention. Ça serait pas mal que le bonus soit dégagé deux fois le ballon. Voilà, note de 6-5. Ça devrait le faire, je pense. Ouais, j'ai 6-0. Ah putain, mais oui, je suis en défense. Attention, parce que là, il y a eu un mauvais ballon. Il y a eu un mauvais ballon. Ok, bon, bah, c'est 12-0. Voilà le but du break. Crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Elle la frappe, attention. Et un corner qui est bien ajusté. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et ça joue sur Memphis. Ah, bien placé pour une frappe. Peut-être. Let's go. 3-0. Je vais forcer. Hein. Et ouais, je suis frais moi. Je suis à 100%.
Il y a personne dans les surfaces. Le ballon renvoyé, l'action. Et un bon travail de la cellule de recrutement de Wolverhampton. Oula, oh bah lui aussi il a fait une percée là. Ouais, ça par contre un peu moins. C'est la fin du premier temps. C'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Ah, il peut frapper Thuram. Et ça rentre, but. Ah, Thuram. Excellente la séquence. Attention parce que là s'ils en mettent un deuxième. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ces matchs? Attention. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Allez, encore. Ballon pour Ward-Prowse. Putain. Est-ce que là c'est de ma faute ou pas? Parce que moi je suis pas un défenseur. Mais regardez, je suis au marquage, mais. Ouais, là je suis. Après, le problème c'est que je peux rien faire en fait. Je suis obligé de. Après, j'ai essayé d'y aller, mais c'est. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Allez. Allez. Oui. Let's go! Oh, cette frappe, bam! Allez! Oh, on aura souffert quand même, hein. Par contre, est-ce qu'on est toujours en ultra-offensif ou pas? Parce que... Ouais, ça m'a l'air, parce que... Quand j'utilise le déplacement automatique, mon joueur se place assez offensif. Dans l'axe, attention! Ils défendent comme de la merde, c'est pas possible! Oh non, Memphis! Arrête de faire des passements de jambes! Putain! Non, c'était le but du cinquième, ça! Et l'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. On va donc. Ok, on repart. Et Verratti avec le ballon. Allez! Non, Memphis, fallait frapper! Oh là 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 là. 5-4, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas terminé. Hein. Il peut encore se passer énormément de choses. Oh putain. Faut pas que je perde des ballons moi aussi, parce que là... Là aussi, pourquoi on est... La faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. C'est pas vrai, il n'y a pas faute. Il y a presque rien comme faute, il y a presque rien. Bah ouais. Non mais les gars, ce match il est scripté ou quoi? C'est comment? Précision de coup franc, il a 63. Il a 63 en précision de coup franc, il met des trucs comme ça. Putain, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Verratti. Eh oui, bien vu la passe. Ah ouais, non, mais non. Oh, c'est moi qui le tire. Oh, c'est moi qui le tire. Pourquoi j'ai le tuto? Et c'est stoppé. Aucune difficulté. Mais j'ai mis mon joystick à gauche. Mal frappé, Sopeno. Mais elle est magnifique, cette panenka. Mais non. Quel sang-froid. Apaisant. Mais pourquoi ça n'a pas tiré? J'ai pas mis assez de force peut-être. C'est bien tiré. Le ballon a frôlé le poteau. À ras des terres. Comme ça, c'est quasiment imparable. Ah, c'est bien fait. Il a choisi le ballon à ras de terre. Le petit filet. Qu'est-ce que c'est très bien tiré. Et voilà, ça rentre. C'est au fond. Bien concentré. C'est tiré comme il fallait. Allez. Voilà. Putain, mais le gardien il bouge pas aussi. Allez, arrête-le là, bordel. Allez. Oh ouais, mais ils ont que des bons tireurs aussi. Mais. Non, mais mon gardien, s'il ne blague. Hein.
Ouais, c'est le moment. C'est le moment, mon frérot. C'est quoi, c'est un défenseur hein, qui frappe là. Let's go. Verdi, allez. Mais putain, Verratti, tu as fait comme moi, mais non. Oh. Il est qualifié. Sans trembler, parce qu'il y avait quand même un peu de pression là. Ouais, et puis moi aussi je l'ai raté, mais ouais, le gardien il a pas fait trop d'efforts non plus. Hein. C'est bon. On sera dans le 11 de départ face à Venise et face contre Nazario Junior. Regardez, normalement il est dans le 11 de départ. Voilà, Nazario Junior. Avec le brassard de capitaine. Alors, c'est pas le Venise que nous, on entraîne. Hein. Donc, voilà. Rendez-vous très, très vite pour le prochain épisode face à Venise. Venise qui, actuellement, du coup... Putain, je suis dégoûté. Hein. Je vous dis, je suis dégoûté pour la Coupe d'Italie. Ah, qui est 16e. J'ai pas envie de les faire perdre, mais bon... N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. N'hésite pas également à rejoindre le serveur Discord. Je le répète souvent, mais n'hésitez pas vraiment à rejoindre le serveur Discord. À très vite. Ciao tout le monde.